Voilà, frères et sœurs, en résumé, ce que Jésus dit là, dans les bonnes paraboles. C'est tout ça. Là où tu es, quel que soit ce que tu es, Dieu t'a donné une grâce particulière. Il n'y a pas quelqu'un au monde que Dieu a mis dans ce monde à qui il n'a pas donné une grâce particulière. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'a donné une grâce particulière. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton intelligence, quel que soit ce que tu es, Dieu t'a donné une grâce particulière. Ce que Dieu a fait de toi, c'est que tu fasses fructifier cette grâce. Et alors, si on avait le temps, on donnait le micro à chacun d'entre nous ici, il y a certains qui ont jamais mis pied dans le mouvement. Il y a certains, il y a d'autres, même si ils étaient même dans les promesses. À d'autres, ils se sont inscrits. Deux jours après, ils ont disparu. Comment tu vas faire fructifier ton calme si tu ne t'engages pas? Dieu, il donne pour que ton travail, c'est là pour qu'on ait peur et qu'on ait enfoui dans la terre. Il veut que quand tu travailles avec la grâce qu'il t'a donnée, en ce moment-là, il fait fructifier pour toi. Mais où tu as mis ton talent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Imagine cet instant que Jésus venait ce matin, il se présente devant toi, personnellement, pour ne pas me voir. Bon, pas de complot en global. Vois-toi en face de Jésus. Il te pose la question. Viens de ton compte. Tu dis quoi à Jésus? Tu as enfoui, tu viens de multiplier. Tu vas tenir le discours de ce troisième. Serviteur ou bien, il a tenu le discours du premier ou du second. Ce n'est pas une question de quantité. Et c'est ça, je le dis. Ce n'est pas une question de quantité. Même si tu as reçu une seule grâce, un seul don, Jésus voudrait que ce seul don, c'est cette seule grâce qui puisse se fructifier. C'est ça qui m'intéresse. Il connaît chacun d'entre nous. On va dire, moi je ne suis pas comme Paul. Moi je ne suis pas comme Nadine. Moi je ne suis pas comme Abba. Donc, moi, Jésus n'a pas dit de faire comme. Il dit toi-même, ce que tu es là, c'est le message de Jésus. C'est-à-dire, selon les capacités de chacun d'entre nous. L'autre, lui, peut recevoir cassé, mais toi, tu peux recevoir un petit peu de dépasser. Quand j'ai un porteur là, il dit qu'il travaille dans une société à l'époque, il y a longtemps, à tout moment là, il y a un peu de problème, il y a un peu de. Il dit, je vais faire un directeur financier. Cette époque-là, normalement, c'était gratuit. Et donc, avec ses amis, tout ça, la belle vie, quoi, si vous voyez eux. Et eux, ils sont une belle vie, tout ça. Il se rend compte que tout l'argent qu'il avait sur eux, là. Et puis, il a dit, ah, d'où, j'ai un peu d'argent au bureau. À quoi on a réglé, alors je vais prendre le truc. Il s'avoue aussi, il trouve plus clair. Qui trouve au portail? Le gardien. Qui ne touchait que 15 000 francs à cette époque. Et qui a compté jusqu'à 150 000 pour leur donner. Quand mon oncle dit qu'elle a vu ça, il dit il y a une vidéo. Belle vidéo. C'est fini. Quelqu'un qui touche 15 000. Moi qui touche plus de 300, 400, 500 000, il compte 450 000 pour me donner, pour me sauver. C'est une issue de la vie. Donc, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de quoi? De savoir-faire, de laisser la grâce surabonder en nous. 15 000 francs. Il compte 150 000 francs pour me donner. Il se posait la question, comment 15 000 francs il avait avant 150 000? Or il n'a pas volé. Comment il a fait? Vous voyez? Donc Jésus aussi sait que toi, si tu veux 15 000 là, tu vas économiser. Il sait que toi, si tu veux 1 million là, tu vas économiser ta casse. Il sait tout ça. Et selon les capacités de chacun d'entre nous, il nous donne